Salut les gens et bienvenue sur notre chaîne YouTube Passion Pokémon. Ah, Pikachu, ce petit Pokémon souris de type électrique apparu dès la première génération. En tant que partenaire de Sacha, héros du dessin animé tiré du jeu, il est le Pokémon le plus célèbre et il est également la mascotte officielle de la marque Pokémon. Et si je vous parle de Pikachu aujourd'hui, c'est parce qu'on s'ouvre son coffret VMAX, Zenith Suprême, tout ce que vous voulez. Un énorme coffret qui est également notre première ouverture de Zenith Suprême. Alors je sais, on est en retard, clairement. On a juste deux mois de retard, mais c'est pas grave. Le truc, c'est qu'il y avait la vidéo des 1 an, des 300 abonnés, des machins, des trucs. Le concours. Le concours, ça a été dépassé. Donc d'ailleurs, le concours, n'hésitez pas à y participer. Le lien est dans la description. Vous pouvez gagner 4 TG. On vous met la petite miniature ici. N'hésitez pas, like, abonnement et commentaire. Et c'est tout bon. Alors, on va s'ouvrir ça aujourd'hui. On espère pas qu'il y ait du lourd parce que Zenith Suprême, c'est vraiment une série qui a l'air incroyable. On a vu trop d'ouvertures. Vous avez fait tous envie. C'est ça, à force de vous regarder. On veut ouvrir Zenith Suprême. Donc on commence aujourd'hui. Et puis pour nous soutenir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci à ceux qui le feront. Bon, alors on s'ouvre ça. Alors d'abord, je vous le montre un petit peu quand même. Donc avec les petites couronnes, donc le logo de Zenith Suprême, parce qu'il y a les mêmes sur le TB mais en bleu. Le gros Pikachu VMAX qui est magnifique. Il est beau ce coffret par contre. Ouais, il est magnifique. Comme le TB, franchement les deux sont très très beaux. Donc, vous voyez là, le bleu et le rouge rappellent de l'extension, les petites couronnes, blablabla. Donc franchement, magnifique coffret. Franchement j'adore. Oui, c'est un bel item à garder, ce scellé, ouais. Celui-là. Nous, on n'est pas trop dans le scellé. On n'a pas le budget, surtout. Hein, voilà, aussi. Mais c'est vrai que si on devait garder, c'est le genre d'item que je pourrais potentiellement garder scellé parce que je trouve qu'il est joli. Parce que nous, on garde en fait surtout en fonction soit du Pokémon, soit du design de coffret, si exactement. Vous plaît, ou pas. Bon, alors, on déballe tout d'abord les petites promos qui sont vraiment très très belles et qui sont tirées, si je ne me trompe pas, d'un magazine japonais. Je ne saurais plus vous ressortir le nom, mais il me semble que c'était en fait un petit cadeau, vous savez, comme il y a dans les petits magazines pour enfants. Là, c'était les Pikachu. Bon, alors, voilà, c'est compliqué. Alors, on commence avec la petite V et la petite VMAX, qui sont vraiment toutes deux elles sont magnifiques, très, très hein. Jolies. Alors, la petite V de Pikachu, moi, qui me rappelle, franchement, faudra vérifier au montage, mais l'illustration du Evoli de l'extension, je trouve vraiment que c'est la même chose, je sais pas ce que vous en pensez, mais les deux, elles sont trop mignonnes, c'est pas possible, il est trop chou. Ouais, c'est très réussi. Et la petite VMAX, qui est vraiment très sympa. Alors, je crois que c'était la VMAX, justement, qui était dans le magazine, et je crois pas qu'il y avait la V, faudrait que je vérifie, mais notre petit Pikachu patate des familles, on adore ça, il est toujours aussi mignon, ce petit Pika. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a sorti tous les Pika de la maison. C'est la foire au Pikachu, on a rassemblé toute la tribu pour cette ouverture, pour qu'il nous porte chance. Et la petite promo du gros Pika Pika. Moi, j'aime trop les promos comme ça, elles sont trop marrantes. C'est vraiment très très sympathique. Franchement, Pikachu, mais portez-nous chance, les amis. On veut du hit, on veut de la gold, on veut tout ça. Il y a tellement de belles cartes à voir avec Zenith Suprême. Exactement, on s'ennuie pas. Alors là, pour le coup, les machins, oui, on tourne en rond rapidement. Il y a 70 GG, donc pour tourner rapidement, pour tourner en rond, il faut déjà y aller. Alors, on a 5 boosters. Vraiment, on a trop hâte de voir ce qu'ils contiennent. Une gold, peut-être, des V-Star, des machins. Alors moi, j'aimerais avoir la Philali, la Givrali V-Star. Et il me semble qu'il y a même un Dark Ray qui a l'air incroyable. Oh, on les veut toutes, hein, enfin, en fait. Ouais, franchement, on veut toutes les extensions. Globalement, on peut résumer en disant on les veut toutes. Bon, moi, je voudrais la GG de Mew. Ah, elle est très belle, la GG de Mew. Une des plus belles, hein, clairement. Ouais. Bon, on se répartit ça et on commence l'ouverture tout de suite. Donc, on commence tout de suite cette ouverture avec notre petit Boubou qui nous ouvre, le booster Zazen et Zamazenta. Il n'y a pas trop confusion vu que c'est tous les mêmes. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait plusieurs artworks. Ou alors qu'ils travaillent un peu plus les boosters parce qu'en soi, c'est quand même très basique. Bon, je commence très mal ce premier booster. J'arrive pas à l'ouvrir. Mais écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas laisser quand même les Pokémon emblématiques de notre chère extension. De notre bloc plutôt, de épée bouclier. Bon, alors, triple premier booster. J'ai dû le déchirer. Je n'arrive pas à sortir les cartes. Alors, code noir, mais ça ne veut plus rien dire pour le bonheur de beaucoup de gens.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, on commence tout de suite, mon cher petit boubou. Alors, on commence par un scalpion. Ouais. Trisky. Trixic. Il est un peu compliqué, il y a prononcé. Pijako. Ah, elle est trop mignonne. Ah, Monsieur Mime. Je crois qu'elle est dans une autre extension, celle-là aussi. Domegrain. Énergie Feuille. Hyper. J'aime bien le dessin, il est marrant. Mmh. Ah, mon Lamperrois. Bon, celle-là, faut qu'on l'ait en double hein, pendant la collection. Encore. Ah, ah ben voilà. Voilà, j'ai gagné. J'avais dit qu'il y avait un Darkrai. Bravo. Oh, magnifique. Oh, vas-y. Oh, le double hic. Ah ben bravo. Le double hic de la Muertada. Oh, je suis tellement contente. Je la trouve magnifique, la Darkrai. Waouh, il est au bord d'un lac. Et je me demande si ça fait pas référence. Vous savez, dans le dessin animé, un moment, Darkrai, il est avec Cresselia sur l'île de rêve ou quelque chose comme ça, ou du cauchemar ou je sais plus quoi. Vous vous souvenez? Ah oui, quand justement il vient ouais, là, lui rendre l'aide qui est blessée, ouais. Bon, allez, Motis Madex. Non, ah non, c'est maman. Maman. Voilà. Ouais. Allez, vas-y, maman. Bon, Boubou. Je pense que le dernier booster ne va pas être pour toi avec ce que tu viens de nous paquer. Ouais, là. Ah, franchement, magnifique booster. Un petit double hit des familles, ça fait plaisir. Ah, ouais. C'est ça le bonheur d'ouvrir des points 5 en fait. Clairement. C'est quand même clairement. D'avoir un taux de drop de la vraiment Martada. Plus sympa. Bon, du coup, les codes noirs, les codes blancs, ça veut plus rien dire donc. C'est vrai qu'au début, je me disais, bah, finalement, j'aimais bien savoir un peu à l'avance, mais au final, non, parce que du coup, j'étais direct déçue avec un code blanc. J'étais là, bon, bah, c'est nul comme booster. Exactement. Allez, alors, maman. Miaouz de Gala. Elle est trop belle. Ouais, elle est très sympa. Oh. Wellmer. Oui, parce que vous avez ouvert beaucoup d'extensions. Enfin, ouais. Déjà beaucoup de Zénith Suprême, mais nous, pas encore. Donc, on redécouvre un peu les illustrations en vrai. Lixi. Trop mignon. Crapin, oh, aussi, oh, bah, trop. Ouais, il a l'air heureux, hein. Il sourit ah, ouais. Dans son bain là. Il est trop mignon. Scalpion. Ah donc il y a deux non mais il y a non, deux c'est... illustrations de Scalpion. C'est pas la même. Voilà, oui c'est ça. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont enfin de même Pokémon ouais. Qui sont mais illustrées comme deux fois. Du coup, il y a deux. Exactement. Encore énergie feuille. Énergie feuille, voilà. Échange d'énergie. Pourquoi? Escroco. Ah mais tu l'aimes bien toi, c'est un Pokémon ouais. Crocodile. André, c'est pas encore non. Hyper Ball. Donc ça c'est vraiment ouais. La première de ah bah non. Ah non, une petite reverse. Bah il est Galvaron. Faux aussi hein. C'est ça. Galvaron. Oui, maman et... va essayer de faire le Master Set. Jolie Flore. Oh, jolie Mimi, ouais. Ouais. Elle est sympa. Elle est très Mimi. Faut pas écouter. Super. Bon, alors, peut-être pour toi du coup maman le dernier booster. On va voir, c'est ça. Alors j'ouvre pour Motis Madex son booster. Allez, on veut plein de hits, on ouais, veut plein de bocus, qu'on veut avoir une gold, on veut avoir toutes les GG d'un coup. Au moins ça, bah dans 5 boosters ça va être dur. En effet, bah sinon faut qu'on ait vraiment un bug de la mort et qu'il y ait des GG à toutes les cartes. Voilà, mais ouais. Ça c'est encore le bug jamais vu. Hein, ouais, bah si, en fait ça équivaut un peu au God Pack je pense, non? Mais après nous on a God Pack, mais God Pack sur 10 boosters, alors que là les God Pack japonais c'est sur un seul booster t'as tout. Et nous on veut des God 5 fois un God Pack. C'est un peu exigeant là quand même. Légèrement. Allez Motisma. Allez Motisma. Pack nous une jolie GG. Pack nous ton Mew. Je suis sûre que tu vas réussir à l'avoir. Vu que tu vas réussir à nous l'invoquer. Alors. La 9. Récupération d'énergie. Tritox dans un champ de blé. Ouais, c'est joli l'illustration, j'aime bien. Oh, notre Jack Ripin sur l'ordinateur. Alors j'ai vu tous les youtubeurs dire oh mais c'est mon chat. Bah c'est le nôtre aussi. Voilà, ouais. Ce sont nos chats, c'est tout pareil. Photo à l'appui. C'est ça. L'arvibule. Ah, énergie électrique. Énergie Picard. Ouais, Picard. Hey, la GG de Pikachu. J'allais dire TG parce que je suis encore habituée. Oui, c'est au ça. TG. Allez. True Brothers. True Brothers avec l'accent. Hyper Ball, dis donc on a tous ouais, les boosters. Ouais, tous les boosters. Oh, on a la main. Et ben voilà. Oh, ouais. Guérilande, bravo. Jolie. En plus, c'est un Pokémon que t'aimes bien, Guérilande. Ah, Cravache. Moi, j'aime bien Cravache. J'aime bien les Pokémon. J'aime bien l'algue, bah, j'aime bien l'eau. Donc une j'aime GG, parfaite. Parfaite, c'est parfaite. Bien. Un petit sympathique. Elle voilà. A pas paqué à vue, mais elle est quand même magnifique. C'est ouais. Ça. Il est faux toute. Ouais, pour être franche avec vous,
j'étais assez inquiète sur l'ouverture du coffret Pikachu parce que j'ai vu plusieurs ouvertures dans laquelle les gens ne paquaient rien du tout. Ouais, mais je pense que ce n'est pas notre cas, visiblement. Déjà, voilà, on n'est pas sans rien, donc c'est super. Allez, à moi. À moi avec mon booster. Moi, je veux... Qu'est-ce que je veux, moi? Alors, moi, j'aimerais vraiment la fille d'Ali parce qu'il est dans un... On dirait qu'il est un peu dans une librairie ou je sais plus trop. Mais j'arrive pas, décidément. Ouais, il se déchire mal. Ouais. Bon, va falloir qu'on passe... qu'on arrive à faire mieux pour les prochains. Allez, moi, je voudrais la petite fille d'Ali. Elle est trop belle. Alors, sac de nœuds. Balbuto. Miaouz de Galar. Ah, Welmer, il est trop mignon. Oh, mon Zeraora. Elle est chimpale. Ça, c'est un de mes Pokémon préférés, Zeraora. Oh, troisième fois. Énergie feuille, encore. Manamon, encore. Ça commence bien. Oui, c'est ça, il y a déjà pas mal de douleurs qu'on vient de commencer. Un super bonbon. Ça a l'air bon. En effet. Terraclop. Un Lipa, mon petit Dixie. Bah, ouais. Dis donc, t'as tes deux Pokémon dedans. Oh, let's go. Oh là là, oui, génial, oui, la boulette, oui. Super, oh quel bonheur. J'adore. On a de la chance, hein. Ah ouais, la dame qui nous a attendez, rendu... Attendez, stop. Une carte. On a fait reverse. On a... Bah non, c'est la reverse. Attendez, je me suis trompée. Non, 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 non. Ah bah c'est Zero Rob, elle me fait tromper dans la manip. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle est magnifique. Voilà, trop, oui, parce que la GG. Bah, en fait, t'as fait la manip des GG à la fin, sans même le savoir. Je suis trop forte. Je suis trop forte. Ah, let's go. Mais oui, ça commence magnifique. Tellement bien. Oh là là, mais quel bonheur. Mais de oui, venir des mais oui. Suprêmes. Ah, encore, encore. Eh bien, encore, ça sera pour maman. Parce c'est que ça. C'est la seule qui a pas eu 2 hits. C'est pour ton booster, maman. On te le donne parce que tu n'as pas eu autant de chance que nous, mais c'est pas grave. Et maman finit cette ouverture avec son booster parce que malheureusement elle n'a pas eu autant de chance que nous. Elle a eu la petite reverse. C'est ça. Bah c'est pour le coup, les reverse seront aussi compliqués à paquer, j'imagine. Parce que si on a autant de GG que de reverse, bah ça va être compliqué d'avoir tout le set. Parce qu'en plus il y a beaucoup de cartes, je crois quand même. Donc ouais. Il y en a pas mal. Attends, j'essaye de bien ouvrir. Allez, maman. Alors, je sais pas si vous en souvenez, mais dans une de nos premières vidéos, on avait ouvert le coffret Pikachu où on avait paqué la montre Acid Gold, donc ça ouais. Nous porte chance. C'est ça, les coffrets Pikachu, c'est les meilleurs pour nous. Allez, maman, paque-nous encore un truc de ouf pour qu'on finisse son apothéose. Voilà, ouais. J'espère rehausser mon niveau d'ouverture. Parce que ouais, là... mais son évolution, c'est eh bien, ben, parfait. On a les Zonalgues. J'aime bien les illustrations et j'aime bien Pokémon en lui-même. Ouais, c'est un peu comme un calamar. Hein. Ouais, ça fait un peu calamar, algue. Ouais, algue et puis hippocampe, exactement. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il a un côté hippocampe. Mais l'illustration est très travaillée, hein. Le dessin est vraiment joli. Oh, petit moumouton. Mon moumouton. Moi, je fais la collection des moumoutons. Ouais, elle est trop kawaii. Ah, bah tu l'as eu en reverse. Ouais, Galvaran en normal cette fois-ci. Voilà. Oh, d'espiègle. En tout cas, c'est un bon grimpeur, faut noter. Ouais, c'est ça. Quand il est jeune. Bah c'est ça, parce qu'après, quand c'est le gros panda barbare, je suis pas sûre qu'il monte aussi bien aux arbres. Exactement. Et chante. Non. Oh, non, mais quoi, c'est l'énergie. C'est quoi ça? Ah ouais. Alors, valise de secours. J'aime bien le design des dresseurs comme ça. Elles sont assez jolies. C'est vraiment style. Stylisé, tablette graphique. Girafigue. Elle est sympa aussi. Sympa, ouais. On l'a pas trop vu dans cette extension. Enfin, dans ce bloc en plus. Non. Girafigue au final. Bah, après, il y a un nouveau Girafigue de Paldea, je crois, un peu chelou là. Dans le jeu, je l'ai vu. Ah là, ça, vous connaissez mieux que moi, les vous filles. Le verrez, c'est je vous le verrai. C'est ça. Watapik. GG. Oh, bah, c'est la. C'est les reverse. Sympa. Sympa. Sympa, elle est jolie. Elle est très sympa, ouais, c'est joli. Et du coup, au début, j'étais perdue parce que je me disais il y a des énergies en reverse et en rare. Je me disais, du coup, ce bazar. Et en fait, en secrète, il y a en secrète, en foulard et en reverse. Il y a les deux, donc faut quand même le faire pour tout désavoir. Et... Ah bah non. Ah bah, boule de nœud, lui, j'ai l'impression qu'il revient tout le temps. Alors nous, c'est la première fois. Mais dans les ouvertures que je vois, il y a genre 2-3 boules de nœud par ouverture. Je suis là, ah bon, ok. Il a l'air de beaucoup venir. Voilà. Les cheveux de maman. Maman au réveil. Ouais. Bah, ouh, bah, je pense que c'est toutes les filles au réveil. Mais toutes comme ça, nos cheveux, ils ressemblent à ça.
Oh bah c'est cool, c'est un plaisir d'ouvrir. Bon, allez, on est parti pour le récap. Donc, ce que nous avons eu dans cette petite ouverture, on a les promos, donc le petit Pika en V et le petit... Oups. Le petit Pika VMAX, les deux sont très qui très jolis. Qui est à côté de Professeur Ginette. C'est ça, là, j'ai mes copains Pikachu, là. On les avait invoqués. C'est ça, et je pense qu'ils nous ont bien porté chance. Ensuite, on a la petite Energy Reverse. Toujours sympa, je pense que ça va rendre très bien si on fait une page d'énergie qui brille. Oui, ça doit être joli. Ça va être très très joli. Ensuite, donc là c'est la petite Reverse parce que c'est la seule qu'on a eue au final. Notre petit Motis Mavé qui est ici présent. Alors tu ne t'es pas encore mis dans le Pokédex, mais on peut dire que tu es avec nous. Tu l'as invoqué. Ensuite, une petite Guérilande TG. GG, j'ai du mal. Qui est très sympa. Elle est assez sombre mais colorée en même temps. Franchement, j'adore. C'est joli, je suis fan. Ensuite, on a un magnifique Darkrai ou Darkrai, je sais pas trop comment on dit. V-Star. Franchement, en plus, je l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment une des cartes que je voulais. Elle est très belle. Très très belle. Est-ce qu'elle est considérée en secrète? Je sais pas, je pense pas vu que c'est des GG. Et pour finir, la Nashara. Donc, qui est vraiment très très belle avec tous les dresseurs qu'on retrouve dans le jeu. J'aime vraiment beaucoup. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je valide à 100% cette ouverture. Elle était vraiment géniale. Donc si ça vous a plu, pour nous soutenir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos qui sortent tous les samedis et de temps en temps en semaine quand on vous montre quelque chose. Et n'oubliez pas aussi de participer au concours dans lequel vous pouvez gagner 4 jolis TG. Donc je vous mets ça, vous irez voir le lien dans la description. Et sur ce, on vous dit... Salut les gens!